Yeah, salut à tous les gens, c'est Tizé. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite du back to back. Donc j'enchaîne les deux commentaires. Hein, donc vous allez le voir avec 24 heures d'écart les deux parties. Moi, je commente voilà direct. Je viens de finir le commentaire du 206-0. Maintenant, je fais celui du 214-10. Donc direct, je vais vous parler de ma classe. Donc Scorpion Evo, le faisceau laser, enfin viseur laser. Moi, j'appelle ça faisceau laser. Voilà, avec chargeur rapide. Toujours en diamant, en atout, toujours les mêmes, hein, détermination, gilet pare-balles, pillard, dextérité, C4 et l'insertion, voilà c'est tout. Juste ce qui change, c'est mon setup des killstreaks où je mets cette fois-ci la VSAT, donc la microstation orbitale, les chiens et les groupes de chasse. Donc dans ce gameplay, vous allez voir, ça va bouger plus, hein, on va dire, hein, ça va pas être du headglitch comme l'autre, là ça va envoyer du pâté parce que, comment dire... Je venais de faire le 206-0, donc il y a 40 secondes d'écart entre les deux parties, donc excusez-moi. Donc j'étais entre guillemets euphorique, voilà, il y avait la joie du 206-0, c'était mon deuxième 200 kills, donc voilà, super content et tout. Et donc du coup la partie, bah dans l'accueil, je me disais allez on laisse, il y a encore raid, on y va, on verra bien ce que ça donne. Les mecs en face, ils ont pas quitté, ils sont vraiment pas bons, il y a moyen de faire péter un back-to-back. Enfin voilà, j'ai fait vraiment la partie entre guillemets à la Wall Against Pistol Fly pour voir ce que ça allait donner. Et voilà, c'est génial, un back to back. Premier back to back FR, même si bon, ça on s'en fout du franchement premier ou pas. Voilà, c'est juste la performance de dire voilà, enchaîne 200 kills d'affilée, c'est juste, enfin voilà, c'est énorme quoi. Donc dans la partie, vous allez voir pas mal de triple C4. Je me souviens dans la partie, c'était vraiment. Je me sentais plus entre guillemets, c'était voilà, c'était la fête, je jetais des C4 partout, je faisais des triples. Voilà, au CK j'arrêtais pas de faire des triples là comme là, vous voyez, vraiment une bonne grosse boucherie et tout. Dans la partie par contre, je sais pas si j'ai fait des brutales, nuke et tout, je sais pas. Je sais que j'ai pas fait de nuke, mais je sais pas si j'ai fait des séries. Donc au passage, le groupe de chasse qui me bute, hein, de la microstation, I like this. Voilà, ça fout bien la mort, mais même pas je rageais, hein, je vous dis, tellement j'étais content de la partie d'avant. Et vous allez voir d'ailleurs, plusieurs fois ça va, plusieurs fois, j'ai fail quelques séries. Notamment, je crois que je vais mourir deux fois à un des chiens, donc qui dit chien dit aussi les groupes de chasse que je n'ai pas, et deux fois à un de la micro. Donc c'est dommage, c'était vraiment la partie parfaite où j'aurais pu donc battre Xenon, même si je l'ai battu plus tard dans une autre partie, mais... On va dire battre de manière classe, on va dire. Bon, au passage, suicide un de la microstation. Voilà, trop d'euphorie, je fais trop n'importe quoi, voilà. Mais bon. Aussi, au passage, une petite kill chain dans la partie, je crois, j'en ai fait deux, je crois, ou une. Une, c'est sûr. Deux, peut-être, je sais pas. On verra bien. Dans la partie, je crois juste que j'ai fait 3 médailles 20. Je sais plus, hein, ça fait vraiment longtemps que je l'ai faite. Je crois que je dis peut-être des conneries, mais bon, j'ai fait pas mal de médailles comme ça, on va dire. Donc voilà. Aussi, je vais parler, donc, parce que ça, je pense que tout le monde l'aura remarqué. Enfin, du moins, ceux qui cherchent toujours pour du boost. Donc, au passage, pareil au début de cette vidéo, le screen anti-reverse boost de mes stats. Plus, si vous. Donc, il n'y aura pas l'accueil. Enfin, s'il y aura l'accueil, mais pas l'accueil où je lance pour trouver la partie. Donc, ça, faudra. Si vous n'avez pas vu, retournez voir mon 206-0, là où je cherche la partie. Bon, juste un truc entre les deux parties. En face, il y a 7 mecs identiques, je crois. Donc,
Vraiment, des mecs, je sais pas comment ils ont fait, franchement, pour être fair play comme ça. Au passage, un aveugle qui m'a pas vu. Donc, juste pour en venir aux ennemis en face, donc j'ai regardé après. Parce que quand même, je trouvais ça étonnant que ça ait parachute comme ça. Et c'était tous des Américains. Et voilà, c'est... On voit vraiment la différence entre la communauté américaine. Après, je dis pas, les Américains rachutent aussi. Mais, je sais pas, les Américains, ils jouent plus, on va dire, pour le fun. Là, je pense que les mecs en face, c'était des mecs qui jouaient pas très très souvent. Et d'une certaine manière, eux, se manger des streaks, se faire démonter... J'ai envie de dire qu'entre enfin c'est le jeu pour eux je pense, quoi. C'est voilà, eux c'est ça, voilà, c'est le jeu qui est normal, quoi. C'est pas ils comprennent pas qu'ils sont en train de se faire de se manger des coups de bite ou quoi, donc voilà, enfin moi je le pense comme ça parce que voilà, les Américains sur lesquels je suis tombé, ils étaient vraiment beaucoup plus fair-play que les Français, quoi. Les Français c'est une visate, hop là, il y a plus personne, quoi. Même ceux qui ont des stats enfin, les stats ne font pas le joueur, mais bon, qui sont débutants, quoi. Moi aussi, quand j'ai commencé Call of Duty, j'avais 0,50 de ratio, quoi. Je me faisais piner, j'en avais rien à foutre, ça m'amusait, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà, juste pour dire ça sur les mecs, parce que bon, forcément, même moi, honnêtement, je serais à la place des gens qui voient le gameplay ou quoi. Je vois ces 7 mecs identiques en face. Quand même, je peux me poser des doutes, quoi, mais voilà, il n'y a pas à avoir. Je vais vous dire honnêtement. Moi, je joue pas pour faire des gameplays pour YouTube. Je joue pour moi, entre guillemets, pour ma satisfaction personnelle et pour mon plaisir personnel, quoi. Moi, me dire, ouais, j'ai fait des 200 kills sans magouille, sans rien et tout. Entre guillemets, ça reste un jeu, mais entre guillemets, c'est une fierté de dire, ouais, j'ai réalisé ça sans tricher ni rien. Parce que si tu le réalises en trichant, certes, y a des gens qui l'ont déjà fait sur YouTube, hein, voilà, ça va faire des vieux ou quoi. Mais il y a aucune entre guillemets gloire personnelle, quoi. Moi franchement c'est pas ça que je recherche sur YouTube, entre guillemets, presque, on va dire, je poste pas ça sur YouTube, je m'en fous, ça me change rien, quoi. Mais c'est juste voilà, comme je dis, par plaisir personnel, voilà. Je vais pas m'attarder sur le sujet, j'en ai déjà dit beaucoup, mais voilà, donc arrêtez, honnêtement, franchement les gars, arrêtez de nous faire chier avec, dès qu'on met un bon gameplay, arrêtez de nous dire boost, franchement ça gave. Moi franchement je m'en bats les couilles, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, mais voilà, ça gave juste d'avoir une communauté française qui, même pour un simple, je sais pas, 100 kills et dirait ça 10 boosts, donc voilà, c'est lourd. Enfin bref, aussi donc moi sur ma chaîne, donc je vais un petit peu en parler, si vous voulez venir vous abonner, venez, hein, y a aucun souci. Si vous êtes adepte de plus de 200 kills, de gros massacres, etc., vous êtes les bienvenus, hein, j'ai envie de dire, en tout sur ma chaîne, donc pour l'instant. J'ai réalisé 6 plus de 200 kills. Donc si vous aimez voir des plus de 200 kills, venez. Hein. En plus avec des armes diverses et variées, on va dire. J'ai fait 6 plus de 200 kills, 6 armes différentes. Donc c'est sympa, quoi. C'est pas tout le temps la même. Voili, voilou. Aussi là dans la partie, je crois que ça va être là. Enfin je sais plus. Ouais, je crois que c'est là. Je crois que je vais mourir à un des chiens. Ouais, c'est là. Parce que le mec, je sais pas, il a pas pris ses balles. Ouais, voilà, là. Et là, je fail, le double triangle de merde, parce que je voulais ramasser la scorpion par terre, et voilà, énorme fail, dommage, parce que, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une partie où il y avait moyen de faire, je sais pas, 240, 250 kills, vraiment, en faisant, entre guillemets, la partie parfaite, sans fail les séries, mais voilà, c'était pas le cas. Aussi, là, au passage, le mec au fond de la map, à la batteuse, qui m'a bien saoulé, qui m'a tué deux fois d'affilée en restant au même endroit, j'avais un peu la mort contre lui, j'avoue. Mais bon, ça, voilà. Et... Attendez là, 2 minutes 9 de gameplay, ouais, c'est vers la fin. Vous allez voir, vers la fin, j'ai mourir un des chiens, bien dommage d'ailleurs, parce que je pense que je les aurais eu, chien plus coupe de chasse, en une minute, j'aurais eu moyen de faire, je sais pas, 230, on va dire. Ouais, 230, voire un petit peu plus, mais bon, et décide, on refait le gameplay, hein. Voilà, enfin, moi personnellement, j'aime bien toujours m'imaginer ce que j'aurais pu faire sans les fails ou quoi, mais bon, voilà, ce n'est que du rêve et c'est déjà bien comme ça, on va dire. Donc, dites-moi aussi, tiens, pour la fin du gameplay, je vais aborder ce sujet-là. Hein. En quelle sensibilité vous jouez ? Parce que je sais que sur ce jeu, donc il y a 14 sensibilités sur les anciens Call of, il y en avait 10. Voilà, au passage, deuxième kill chain, je m'étais pas trompé. Donc je disais, les kill chain, il y en a. Je dis n'importe quoi. Les sensibilités, il y a plein de monde joue avec différentes sensibilités. Donc personnellement, moi je joue en 14. Donc dites-moi vous, en quelle sensibilité vous jouez. Moi je sais pas, 14, j'aime bien parce que je bouge pas énormément les joysticks. Donc pas ça, là je meurs juste avant les chiens. Enfin bref, je bouge pas énormément mes joysticks. Genre quand je tiens ma manette, le joystick, entre guillemets, j'ai envie de dire je l'effleure, quoi. Mais
je le bouge pas jusqu'au bout et je sais pas, j'ai déjà essayé de jouer avec des basses sensibles, même en 7-8 ou quoi, et j'aime vraiment pas du tout, je préfère vraiment jouer en grosse sensi, enfin grosse sensi, la plus grosse quoi du jeu, sur tous les anciens Call of. J'étais en 10 depuis Black Ops 1, donc mon premier Call of, jusqu'à Black Ops 2, où directement je me suis mis en 14, parce que je pensais qu'en gros c'était 14 égale 10, et que celle intermédiaire c'était en gros pour faire plus de crans, on va dire, de crans... pour mieux adapter sa sensi, pour être plus précis, on va dire. Voilà, voilà. Donc, pour la partie, donc les mêmes abonnés hein, que la partie du 206-0. Merci à eux, parce que c'était vraiment, j'étais vraiment super content. Merci à eux de m'avoir aidé. C'est vraiment génial qu'ils m'aident comme ça. En plus, ils m'aident vraiment souvent et c'est vraiment cool. Donc, voilà, la partie va se finir. Je vais encore faire... Non, c'était mon dernier kill là, c'était mon dernier kill. Voilà, vous voyez, 114, on se retourne facilement. Hein. Donc, dites-moi vraiment dans les commentaires, vous, en quelle sensibilité vous jouez. Je lirai tous les commentaires et je verrai un peu les sensibilités de tout le monde, dans quelle sensibilité vous êtes. Et donc, voilà, donc attendez, je vais rester jusqu'à l'affichage des médailles. Après, je vous laisse. Ah non, voilà, 3-15 et une de 20. Voilà, je m'étais trompé, honte à moi. De Killchain, et voilà, vous avez tout là. Sur ce, moi je vous dis à plus pour de nouveaux 200 kills, et allez, peace!